Alors, on n'a pas de problème là-dessus. Alors, pour les pendants, alors maintenant, on va passer aux femelles. Alors, pour les femelles, alors ici, on va prendre les dimensions par défaut. Alors, on s'intéresse pas aux dimensions. Alors, maintenant, on doit définir le sol. Alors, le sol ici, alors, il faut définir le niveau parce que s'il y a une charge de remblai qui va prendre en considération pour la stabilité. Alors, il faut donner par exemple, vous voyez, je vais donner par exemple moins 1 mètre de profondeur. Et ici, il faut donner la nature du sol, par exemple, suivant le rapport géotechnique, bien sûr, appliqué. Fermé. Alors, ici, je vais, option géotechnique, je vais donner les contraintes. Je laisse vérification de renversement et toutes les vérifications ici, je vais le laisser par défaut. Alors ici, je donne la valeur analytique, mais empirique. Alors QS, alors QU, c'est le 3 sur 2, c'est le 1,5 fois QS. Alors, le laboratoire, il vous donne QS. Par exemple, il vous donne 2 bar. Alors, 2 bar, c'est vers 0,2 mégapascal. Si vous la multipliez par 1,5, ça vous donne 0,3 mégapascal Q. Alors, approche de calcul, ça, c'est pas... Alors, ça, je pense qu'on a un problème, un petit problème. Alors, on va la rectifier. Alors, ici, préférence de la tâche. Alors, norme de géotechnique. Voilà, ici, il faut travailler avec le DTU13. Alors, c'est ça le problème que j'ai eu. Alors, après, je vais revenir au ferraillage des éléments. Alors, je vais perdre, bien sûr, l'ensemble. Alors pour le poteau, on a fait le nécessaire. Alors la même chose ici, les semelles, c'est très préjudiciable si vous avez de la nappe. Si vous avez une roche, vous pouvez aller au préjudiciable. Alors on va mettre très préjudiciable. Le milieu, si vous avez de l'eau, c'est très agressif. Sinon, on va mettre un agressif et on va changer ça au préjudiciable. Alors avant de passer au paramétrage, on a défini le sol, on a changé ça au cré. Ici, on l'a changé en moins 1 et j'ai mis appliquer. Alors, ça, c'est suivant le rapport géotechnique. Ici, les types de vérification, alors glissement, renversement, soulèvement. Alors, les contraintes ici, vous pouvez ajouter le LS 0,2. Alors, c'est le contraint du laboratoire. Alors, il a changé la valeur. Voilà, 0,2. Alors, 0,2. Alors, voilà, ELU, c'est 0,3. Et admissible, c'est 0,6. Alors, ici, vous pouvez jouer si vous ne voulez pas vérifier le glissement, si vous voulez pas vérifier le renversement, alors vous pouvez ne pas les vérifier. Dans le cas des bâtiments industriels, c'est-à-dire des bâtiments légers, alors il faut vérifier le glissement et le renversement. Mais dans le cas des bâtiments lourds, tels que le béton armé, c'est pas la peine de vérifier ça. Et même le soulèvement, on ne va pas le vérifier parce que le soulèvement il est vérifié que dans le cas où nous avons le vent qui va soulever le bâtiment. Alors, s'il y a une charge normale qui va s'appliquer, alors il faut vérifier est-ce que la charge appliquée à la femelle avec la charge de soulèvement, elles sont stabilisées ou pas. Alors, pour le renversement, la même chose. Le renversement, c'est dans le cas de la charpente, pour vérifier est-ce que l'effet de vent il va renverser la femelle. Et pour les glissements, la même chose. On peut négliger ces vérifications dans le béton armé.
Alors maintenant, je vais passer au paramétrage. Alors ici, le dispositif sismique. Alors la vérification de positionnement, ça c'est général. Alors je vais supprimer le 6 et 8. Ici, dans le site, je vais laisser que le 10. Mais si vous avez un espacement qui est énorme, rajouter le 8. Alors vous pouvez enregistrer ça, mais je vais passer rapidement. Alors ici, ça, sélectionnez seulement ça parce que on les utilise, ça sont dans des carats. Alors ça, il faut vérifier la norme pour que vous puissiez avoir. Mais ça, dans le cas où nous avons vraiment un ferraillage très très très, une section très faible, alors on peut altérer avec ça. Le flux de poteau, je laisse les valeurs normalisées. Alors ici, liaison avec poteau, c'est auto. Tout ça, je le laisse. Alors ici, pour les formes, c'est les barres principales. Je vais mettre 135. Oui, non. On va mettre. Non. 80, c'est mieux. Je mets OK. Disposition de ferraillage. Alors, c'est ça ce que j'ai fait. Maintenant, il me reste que de lancer les calculs. Alors pour les valeurs du flux et tout ça, je peux les changer, mais il va les changer. Je fixe ça pour ne pas changer pour pas ne, pour qu'il ne donne pas une semelle excentrique. Et voilà, la semelle fait 260 par 260. Alors, la semelle elle est bien calculée. Voilà la note de calcul de l'HTML et voilà le ferraillage. Alors je glisse ça ici pour que je puisse voir le ferraillage de l'HTML. Alors je vérifie est-ce que les. Voilà, il m'a pas donné ici les crochets. Alors comment je peux ajouter les crochets? Alors je sélectionne ça et je vais aller ici. Alors ici, tu vas me donner un crochet de 90. Alors je calcule, ok. Alors, je vais ici 90. Et voilà. Alors, je relance mes calculs. Alors, il a activé le fichage, mais je peux. Et voilà ma semelle. Voilà le ferraillage de mon flux de poteau. Et voilà ma semelle. Alors maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste à dimensionner? On va dimensionner une poutre continue. Alors, on va dimensionner cette poutre. Alors, voilà combien de la même chose. Et voilà ma poutre. Alors, 30. Alors, la même chose, on va faire passer que les paramétrages non agressifs. Alors, ici, les armatures, dispositif sismique, car j'ai pas de poutre préfabriquée par ferraillage. C'est par pour optimiser le ferraillage. Alors, ici, j'ai figé les enrobages. Béton c'est béton 25, acier longitudinal c'est comme ça, transversal je laisse que ça, additionnel parfois vous pouvez laisser les aciers de 8. Alors voilà, alors le dispositif de ferraillage, alors par travée, par fil, alors diamètre minimum c'est 12, reprise du béton là c'est non. Dans le cas où vous avez une reprise, dans le cas des grandes portées de poutres, vous pouvez mettre oui. Qu'est-ce que je pourrais voir? Tout ça, négligé, il n'y a pas de choses à changer. Alors ici, c'est auto. Auto pour qu'il choisisse le nombre de lits qu'il a besoin. Alors tout ça, c'est auto. Je choisis ça. Ça et ça, non, 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 non.
fin, fin, et fin. Alors secondaire. Alors tout ça, je ne l'ai pas. Alors, pour la forme, j'ai ajouté fin et la même chose, je dois vérifier secondaire. Longueur d'ancrage. Et je vérifie au dessin si il a respecté mes comptes, mes paramétrages ou pas. Alors je vais lancer le calcul pour la poutre. Alors dimensionnement en capacité de résistance à la flexion, elle n'est pas suffisante. Travée numéro 4, facteur de sécurité. Alors dimensionnement on ne laisse pas suffisante pour la head. Alors pour la travée numéro 3, alors automatiquement j'ai un flèche qui a dépassé. Alors alors qu'est-ce que je dois faire ici? Alors tout simplement, je vais sélectionner ma poutre et je vais ajouter 5 cm. Appliquer. Appliquer et 35 appliquer 35 appliquer. Alors il ne faut pas oublier, moi je peux passer rapidement, mais il faut modifier ça dans le modèle géométrique et relancer le calcul pour faire pour prendre en compte les charges permanentes de poids propre qui vont s'ajouter dans les calculs. Mais pour faire passer rapidement, j'ai sauté cette étape. Alors, maintenant, je vais relancer le calcul. Alors, il y a toujours d'autres problèmes qui n'ont pas été réglés. Alors, on le laisse travail numéro 2. Alors, l'espacement des armatures 30 ne satisfait pas les exigences d'espacement maximum travail numéro 2. Facteur de sécurité. Alors j'ai un problème avec le travail numéro 2 parce que c'est lent. Alors j'essaie d'augmenter ici l'inertie. J'espère qu'on n'aura pas. Voilà, l'effort axial n'a pas été pris automatiquement dans le compte. Alors normalement il faut pas prendre un effort axial, mais dans le cas où vous avez vérifié les charges et vous avez trouver qu'il y a un effort axial qui est très important, mais il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger, il faut le prendre en considération dans les calculs. Comment vous allez le faire? Alors vous allez à l'option de calcul, général, option de la géométrie, non c'est pas ici, le temps, non c'est pas ici, c'est ici dans les voilà, avancer. Alors avancer, vous allez trouver ici prise en compte de l'effort axial, vous allez le cocher, ok, et vous allez refaire le calcul. Bon, dans le cas, mais normalement il faut pas le prendre en compte, et surtout dans les cas des répartitions de dalles dans un seul sens. Il n'y a pas de fort axe, ce sont des efforts parallèles. Alors voilà ma poutre cochée. Alors, c'est bien calculé. Alors ce poteau il reste comme ça. Alors on va le dimensionner rapidement. Alors ça c'est 1. Alors tout ça c'est 7 heures. Depuis donc, je pense que les paramétrages sont restés. Juste pour avoir cette courbe. Alors voilà. Voilà ma poutre. Voilà mes ferraillages. Voilà ma poutre. Et voilà l'ensemble des crochets qu'il a créé. Alors, j'ai partout des crochets. Après ça, ce qu'on a. Alors, pour le dessin des ferraillages, alors tout simplement pour l'ensemble des. Vous allez les récupérer ici. Alors pour la poutre, il vous donne plusieurs pages.
voilà, la première, la deuxième, la troisième, suivant la troisième. Vous pouvez revenir par cliquer ici. Alors, la même chose pour les photos. Voilà, dessin. Et pour la semelle, voilà le dessin du variage de la semelle. Alors, qu'est-ce que j'ai? On peut ajouter encore. Et voilà, on a fait, je pense, la tour l'ensemble des éléments. Je vous souhaite une bonne continuation. Et merci beaucoup.